Comment vous avez connu l'homme de Dieu pour que vous soyez ici aujourd'hui? Bon, l'homme de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui m'a donné le numéro. Je ne connais pas l'homme de Dieu, mais c'est un songe. Oui. Je le vis en songe. Bon, c'est là, bon, aujourd'hui, je suis venue le voir personnel. Tu l'as vu en songe comment? Je l'ai vu en songe parce que je souffrais de maux de tête. Oui. En tout cas, je souffrais vraiment, je ne sais pas comment je vais. Je ne sais pas. Je souffrais bien même. J'ai fait l'hôpital partout, je n'ai rien vu comme solution. Elle a été opérée de la tête. J'étais opérée de la tête, je n'ai rien vu comme solution. T'as été opérée de la tête. Voilà. Bon, un jour, je dormais comme ça en songe. On dit si je cherche Dieu, mon Dieu se trouve à Port-Boué. C'est là-bas que je peux trouver ma guérison. Donc, c'est cela, bon. Avec ça, en tout cas, je n'ai pas fait autre chose. On dit si tu cherches Dieu. Dans la Port-Boué. Ça, c'est un songe. Qui t'a parlé? En tout cas, c'est un. Je ne sais pas qui m'a parlé, mais c'est un homme de Dieu qui est venu me parler. Mmh. Bon, je n'ai pas considéré ça. Bah, jusqu'à. Et comment ça s'est passé jusqu'à ce que tu aies le numéro et puis tu puisses appeler? Voilà. Bon. Quand j'ai fait le son, bon, je me suis dit, mais attends, je suis en Italie, puis on me parle à faire des Port-Boué. Bon, je ne me suis pas tenu ça compte, non, mais après un jour, il y a quelque chose qui me dit, va sur Internet, tu vas voir. Bon, j'ai pris mon portable, j'ai regardé, bon, pas fini. J'ai dit, bon, je m'en vais voir pour les gens de Côte d'Ivoire, je clique, je tombe sur une dame qui fait un témoignage ici, qu'il y a sa soeur qui était malade. Elle a envoyé sa sœur ici chez Dieu de Papa Florian. À Port-Boué. À Port-Boué. Ça, je me suis dit, ah, donc c'est le monsieur, on me parlait en songe là. Bon, après ça, j'ai appelé monsieur Adou. Oui. Et puis il m'a dit, puis, bon, l'homme de Dieu a prié pour toi. A prié pour moi. Et avant aujourd'hui. Ça, même, avant que l'homme de Dieu prie pour moi, j'ai trouvé ma guérison d'abord. Après de prier au nom de Dieu de Papa Florian, j'ai vu. Déjà Dieu a accompli. Ouais. Choses avant que j'envoie l'argent pour qu'on prie pour moi. Je viens de l'Italie. De l'Italie? Ah non, décidément, il y a beaucoup d'hommes qui viennent de l'Italie aujourd'hui. Comment tu as connu Papa Florian pour que tu sois ici aujourd'hui? J'avais un ami. Oui. On avait une tante qui était venue à Abidjan. Oui. Et quand elle est retournée, elle est partie avec le numéro. Donc il m'a appelé. Oui. Il m'a dit, ah petite soeur, il y a tante Jeannette qui est venue avec un numéro. Il y a un homme de Dieu à Port-Boué qui s'appelle Papa Florian. Oui. À vrai dire, quand il m'a parlé de ça au début, je n'ai pas pris ça au sérieux. Oui. Je n'ai pas pris ça au sérieux. Il m'a suivi avec le numéro pendant une semaine. Oui. Donc quand j'ai pris le numéro, non, il m'a donné le site d'abord. Quand je suis allée dessus, je suis tombée d'abord sur le témoignage des choses. Il s'appelle comment le jeune là? Jonas. Jonas. Ah, quand je suis tombée dessus, ça m'a touchée. Je ne dormais plus. J'étais pressée même de finir le boulot pour aller regarder. À peine j'ai fini net, je suis net jusqu'à 2h du matin. C'est quand j'ai tout visionné et j'ai appelé le frère Peggy et j'ai commandé les éléments. Les éléments. Il m'a envoyé. Il t'a programmé pour la prière. Il m'a programmé pour la prière quand j'ai prié avec l'homme de Dieu et j'ai commencé. En tout cas, j'ai vu le résultat. Mais qu'est-ce que tu avais pu? J'avais Kiss. Oui. Depuis 2002, j'ai essayé de traiter ça à Abidjan, mais ça se calmait, ça revenait, ça se calmait, ça revenait. Donc, quand j'ai commencé les purges, j'ai fait le premier traitement. Mais le KISS, en Italie, il y a l'hôpital. Tu es allé à l'hôpital? Oui, je suis allé à l'hôpital. On m'avait dit au début que c'était petit. Après, encore en 2008, ils m'ont hospitalisé. On m'avait programmé pour m'opérer un jeudi. Donc, mercredi, ils ont fait l'échographie. On voyait encore le KISS. Jeudi matin, je dois rentrer dans le bloc opératoire. On va faire l'échographie, ça a disparu. Nous, ils ont commencé à me demander, c'est la magie. Wow, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, ah, moi-même, je ne sais pas. Ce qui est sûr, je sens les douleurs. Mais comme on dit, il n'y a rien, moi, je rentre. Quand je suis rentré, j'ai décidé d'arrêter d'aller à l'hôpital. Donc, en 2009, quand j'ai commencé le boulot, ça a repris encore. Donc, ma patronne m'a envoyé chez son gynéco. Ils ont vu que c'était là encore. Ils m'ont mis sur traitement. J'ai fait, mais c'était même chose. Même chose. C'était même chose. Donc, en 2010, j'ai dit non, moi je ne peux plus aller de l'avant avec. Donc, j'avais tout abandonné. Mais donc, quand le jeune m'a parlé de ça, je lui ai dit, est-ce que tu es sûr que c'est bon? Il dit, en tout cas, moi j'ai regardé les choses, c'est bon. Donc, c'est ce qui m'a motivé. Et puis, je vous ai appelé pour commencer. Aujourd'hui, est-ce que tu défiles encore à l'hôpital? Je ne défile plus à l'hôpital. Quand j'ai fini le premier traitement, oui. Je suis allé faire l'écho. Ils ont vu que c'était fini.
Et mes menstrues qui venaient, qui duraient 2 mois, maintenant ça vient normalement. Normalement. Donc je remercie le Dieu de Papa Fleury. Alléluia. Voilà, en tout cas, Dieu a fait pour moi très bien même. Parce que mon petit-fils qui était perdu à l'époque, avant que ma femme a connu Papa Fleury, là. C'est même mon enfant là. Ma femme a pu aller à Niama pour faire son vacances là-bas, puis revenir ensemble. Dans 3 jours, il n'a pas disparu de la bouche. Mais là, elle m'a appelé. Il dit, il n'a pas perdu encore. Je dis, bon, ma femme, ne pas t'inquiéter. Je ne t'inquiète pas. Il faut laisser comme ça, ne t'inquiète pas. Maintenant, quand papa a organisé les prières de mercredi, là, je suis venu à la prière. Je demande à Dieu qu'on a prié là. Je dis, Dieu de pauvre bien, c'est pas mon affaire, c'est tout, je dis à la maison. Parce que vraiment trop, c'est trop. Maintenant, après la prière de mercredi, là, je vais à la maison et j'ai tout mon affaire à la maison. Alléluia. Donc vraiment, tout le monde est venu pour participer à la prière de mercredi. C'est spécial. C'est un grand témoignage. Amen.